Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin pouvoir vous montrer les cartes que j'ai reçues pour mon concours des 2000 abonnés. Alors cette petite vidéo va se passer en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les petites cartes que j'ai reçues ici. Et puis, à la demande d'Anne, c'est mon petit chameau, voilà, c'est mon chameau. Anne m'a envoyé un énorme colis, alors bien évidemment il y a sa participation dans le colis pour ce concours, mais tout le reste n'est pas pour le concours, bien évidemment, elle participera comme tout le monde, mais elle n'a pas décidé de m'envoyer une petite carte comme vous, elle a décidé de m'envoyer un colis complet. Je vous montrerai tout à l'heure la taille du colis et elle veut absolument que je le fasse, que je l'ouvre face caméra. Voilà, donc dans un deuxième temps, j'ouvrirai le colis d'Anne en face caméra pour vous montrer un peu tout ce qu'elle a pu m'envoyer, parce que c'est la surprise, hein. Je l'ai reçu vendredi, que je ne raconte pas de bêtises, c'est ça, je l'ai reçu vendredi, et depuis vendredi, il est là à côté de mon bureau de travail, et il me regarde, il m'appelle, mais j'ai tenu bon pour pouvoir l'ouvrir en vidéo avec vous aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi, je ne sais pas combien, 22 janvier, il est 9h33, et donc je vais commencer mes petites ouvertures d'enveloppes avec vous. Donc vous voyez, j'en ai reçu 6 et la 7e, c'est celle d'Anne qui est dans le colis. Et on va ouvrir tout ça ensemble. Alors, la première carte, ce sera celle de Véronique. Donc, je ne dis pas vos noms de famille, hein, vous allez vous reconnaître. Je vais quand même garder... Elles sont toutes très belles, hein, vraiment. Je suis bluffée par tout ce que vous m'avez envoyé. Regardez celle-ci. Vous allez me faire entendre, vous allez m'entendre dire des O, des A, des waouh, des. Elles sont splendides. Vraiment toutes, elles sont vraiment toutes magnifiques. Regardez-moi ce petit cintre. C'est splendide. Vraiment, je suis méga fan. Donc il y a le petit mot à l'intérieur, hein, bien évidemment. Voilà. Donc elle a été tamponnée, hein, ça se voit. Il y a des petites dans mes couleurs. Voilà, le thème a été respecté pour le coup. Voilà, voilà. Elle est belle, hein. Elle est vraiment très très belle. Hein. Je ne sais pas de quelle collection elle vient, ce petit pot-là, mais c'est magnifique, cette petite boîte à chapeau. Et le cintre, je suis méga fan. Voilà. Donc avec une petite dentelle juste là derrière, des petites... ça, c'est la collection Herfel. Je reconnais les découpes de feuilles, petits papillons, tout ce que j'aime. Hein, c'est vraiment très girly, très violet. C'est waouh, c'est tout ce que j'aime. Merci beaucoup, 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 Véro. Hop, je vais la ranger dans sa petite enveloppe, comme ça je saurai qu'est-ce qui est acquis, parce qu'avec ma petite tête, il y a des chances que j'oublie. Celle-ci vient de Karine. Donc toujours très bien emballées, hein, vos petites cartes. Donc ça, c'est mon petit mot qu'il y avait derrière sur une petite feuille à l'intérieur. Donc elle me souhaite tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et voilà, sa petite participation. Bien protégée pour pas l'abîmer. Bon, la petite rose a été un petit peu aplatie du coup, mais bon, ça, je la remettrai en forme plus tard. Voilà, donc ça, c'est une très très jolie carte aussi. La collection, elle est magnifique. Vraiment, une petite paillette de partout, ça brille de mille feux, c'est tout ce que j'aime. Et donc, celle-ci s'ouvre en chevalet pour laisser apparaître un calendrier 2024. Et une petite fleur dans le thème aussi. Voilà, donc l'arrière est tout violet, tout simple, et elle se positionne comme ceci sur un bureau. Et j'en ai reçu deux comme ça, je crois. J'adore. Elles sont vraiment toutes différentes, vraiment dans un style différent. Je suis mes fans, vraiment. Donc là, voilà, la petite fleur en papier a été un petit peu maltraitée dans l'enveloppe. Bon, elle a été appuyée, hein, forcément, parce que c'est vrai que la poste est très, très délicate, hein, comme vous le savez. Donc voilà la petite carte de Karine. Elle est belle. Hein. J'adore la brillance qu'il y a sur le papier à l'arrière. Et je vois qu'il y a des petits points de brillance aussi dans celle-ci. Alors, est-ce que c'est des paillettes qui ont été... Ouais. Ah ouais, en fait, ça part. Je pensais que c'était un papier pailleté. Mais non, non, c'est les paillettes de la carte du dessous qui se sont mises sur la carte du dessus. Ça fait vraiment un bel effet. Merci beaucoup, Karine. Elle est magnifique. Je vais la remettre dans ce petit... dans les petits papiers bulles, pour pas qu'elles s'abîment. De toute façon, après, je les mettrai
exposer à la maison. Là, c'est vraiment pour la participation, pour pas que je mélange. Hop. Là, nous avons la participation de Myriam. Hop. Donc Myriam m'a envoyé plein de jolies découpes. Alors je vais les ouvrir avec vous. Hop, je cache ça. Il y a plein de jolis feuillages, des petites fleurs. C'est vraiment très très joli. Tu as dû t'amuser à découper tout ça. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment de tout, des feuillages, des petites fleurs, c'est vraiment splendide. Ça, ça va bien me servir. Merci beaucoup, c'est adorable. Hop, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et les ranger. Avec les autres. Hop, les petites dernières, j'en ai laissé une ici. Voilà, ici nous avons comme ceci. Regardez comme c'est beau ça. C'est trop trop beau. J'aime trop. C'est simple, mais c'est tellement joli. J'adore. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup aussi la découpe ici. Elle est sympa comme tout. Donc là, on a toutes ces petites coordonnées qui sont juste derrière. Voilà. Donc c'est sympa comme tout. Je la remets dans son petit sachet. Et la carte qui est dans le même style. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. En plus, ça fait, c'est ton sur ton, mais ça se voit, c'est splendide. Vraiment. Hop, donc là, elle m'a mis un petit mot ici. Voilà. Avec le félicitations qui ressort sur la carte. Et voilà. Merci Myriam. Elle est vraiment... Elles sont toutes aussi incroyables les unes que les autres. Et c'est marrant parce que vous avez le petit rappel de la fleur. Ici, vous avez le petit rappel de la dentelle ici, le même papier, enfin c'est vraiment tout pensé, c'est vraiment tout fait, j'adore, j'adhère, je suis fan. Puis alors les couleurs, bah, c'est mes couleurs quoi, hein, vous l'aurez compris, hein. Le violet, je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter, c'est ma couleur. Hop, donc merci beaucoup Myriam, c'est magnifique. La suivante, c'est Corinne. Regardez, wow. Ça brille de mille feux, c'est tout ce que j'aime, c'est pareil, hein, les petites feuilles Herfeld, je les ai reconnues, le die aussi, exactement pareil, Herfeld, je l'ai reconnu aussi, le petit mot est à l'intérieur, voilà, toutes mes félicitations pour tes 2000 abonnés, c'est tout plein de douceur, c'est tout plein de bienveillance, c'est tout plein de... C'est magnifique, c'est splendide, c'est trop trop beau. Vraiment, je suis vraiment fan de toutes vos cartes. Elles sont vraiment toutes très 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 belles. Elles regroupent tout ce que j'aime et merci d'avoir joué le jeu, c'est super adorable, vraiment. Merci beaucoup Corinne, elle est magnifique. Tous vos petits mots m'ont vraiment très touchée, J'étais comme une dingue, je vous jure, quand j'ai vu le facteur arriver avec... Bon, elles sont pas toutes arrivées en même temps, elles arrivent petit à petit. Hein, mais quand je les ai vues toutes arriver, j'étais comme une folle. Là, nous passons à Béatrice. Hop. J'aime beaucoup ton washi, Béatrice, il est très très beau. Donc là, nous avons une jolie carte avec dentelle, avec les poinsettias, je les ai reconnus, Herfeld. Nous avons les roses, les feuilles, bien évidemment. Très beau. Très très beau, j'adore. Petit chat avec le sapin, la petite dame avec sa robe violette, très jolie, en relief. Et du coup,
c'est celle que je vous disais également, un petit chevalet qui s'ouvre comme ceci, qui laisse découvrir un calendrier 2024 et les très 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 beaux poinsettias qui sont juste ici. Je les adore. Puis alors pailletés, je ne sais pas comment tu fais pour les pailletés, si c'est fait, je ne sais pas si c'est fait à la main ou quoi, mais en tout cas c'est magnifique. Vraiment ton pailletage est splendide. Faudra que tu m'expliques comment tu fais parce que vraiment elle est très 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 jolie. Ton pailletage juste sur le bord des pétales, c'est vraiment travaillé et c'est waouh, c'est magnifique. Elle est très lourde. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Hop, et je répète, ton washi est juste magnifique. Et là, nous allons donc passer à la carte de Yasmine. Regardez, j'ai adoré la petite fleur comme ça, en tamponnage et avec la petite feuille ajoutée par-dessus. J'ai trouvé trop beau. Et là, très très bien emballé aussi. Vous m'auriez vu l'ouvrir la première fois, je ne savais pas par quelle boule prendre, j'avais tellement peur de l'abîmer. Hop. Puis moi, alors le papier de soie, j'adore ça, mais c'est tellement délicat, j'avais trop peur de l'abîmer. Donc une jolie enveloppe violette. Hop. Et dedans, on laisse découvrir une très 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 jolie carte, tout en douceur, tout en finesse, avec amicalement tout en bas. Vraiment très belle, hein. Fait par passion par Yasmina. Ah, c'est Yasmina, pardon, j'ai dû écorcher ton prénom. Ah oui, je ne sais plus lire. Autant pour moi, je suis désolée, c'est Yasmina, pardon. Hop, le petit mot qui est là à l'intérieur, bien évidemment, avec les tamponnages. Ah, c'est en relief. Enfin, c'est en relief. C'est découpé et collé par-dessus. C'est trop, trop beau. Vraiment, c'est très, très joli. C'est tout nacré, là, le blanc, il est splendide. Vraiment, c'est très, très beau. Vous avez vraiment très bien travaillé, les filles. Je suis vraiment super contente de toutes vos petites cartes. Elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Vous avez toutes respecté le thème et ça, j'ai adoré. Et en plus de ça, vous avez été créative. Vraiment, aucune dans le même style, aucune. Vous avez vraiment toute votre mis, votre petite touche personnelle et ça, j'ai adoré. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, du coup, j'ai repoussé la date au 21 février. Ce sera certainement en live, comme je vous l'avais dit, pour le tirage au sort. Je ne sais pas si c'est moi qui le ferai ou si c'est mes enfants, on verra. Suivant quand je vais tourner la vidéo, parce que souvent je la tourne quand ils ne sont pas là. Donc on verra s'ils veulent jouer le jeu, s'ils veulent venir avec moi dans l'aventure, on verra, je vous dirai ça. Donc là, je vais passer la caméra face à moi pour vous montrer un peu ma tête de déterrée et de très très grande fatiguée. Et je reviens tout de suite pour ouvrir le méga carton de Anne avec sa participation à l'intérieur et pour vous montrer un peu tout ce qu'elle a pu me préparer pour me faire plaisir. Elle m'a dit que ça allait certainement me faire très plaisir. Alors, je vous retourne la caméra et je reviens tout de suite. À tout de suite. Me revoilà. Nature peinture, hein, je sors de la douche. J'ai les cheveux encore un peu humides. Pas de maquillage, rien. Voilà, vous voyez Gwen telle qu'elle. J'ai... descendu la bête. Donc vous voyez un peu la taille du colis, il est énorme. Donc je vais le mettre à côté de moi. Il est lourd, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais il est vraiment très très lourd. Je me suis armée de mon cutter. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Ne fonce pas où. Je ne sais pas. Non, là, je crois qu'il n'y a pas de... Je vais regarder, mais je crois pas qu'il y ait une ouverture ici. Ça doit être là. De l'autre côté, du coup, parce que c'est de l'autre côté qu'il y a l'étiquette d'adresse. Donc, je pense qu'elle l'a mis dans ce sens exprès. Hop. Il est scotché, il n'y a pas de problème. Il n'avait pas sauvé, je peux vous l'assurer. Voilà. Comment je vais faire pour ouvrir ça, moi? Je vais laisser des doigts
Donc, si on pouvait éviter, ça serait bien aussi. Hop, voilà, je pense que il est ouvert. Très bien protégé de la mousse. Oh là là, il y en a partout. Participation concours, elle est ici. Ok. Alors, c'est écrit Gwen, petite fée crochette. Je vais commencer par ouvrir cette jolie carte. Elle est très belle. Ouh, il y a un roman. Vous voyez, la jolie petite carte toute simple. Hein. Alors, voyons voir, voyons voir. Ok, donc je lirai celui-ci. Alors, attends, ça va dans quel sens? Ok, il faudrait que je lise ce qui suit une fois que tu auras ouvert le gros cadeau hors concours. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Au secours! Alors, voilà, celui-là, je lirai en dernier, elle a dit. Je suis scrupuleusement les instructions. Alors, ok. Je te remercie d'ailleurs de valider ma personne, mais ce n'est pas une carte. Donc, elle m'a dit que ce n'est pas une carte qu'elle a fait pour le concours. Elle n'aime pas trop ça. Voilà. Attention aux ciseaux et cutters. N'hésite pas à couper le carton car tu risques de trop forcer sur l'autre paquet pour le sortir. Ok. Précise bien que l'un des paquets est pour le concours et que le reste n'a rien à voir avec. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait. D'accord. Ok. Ok, bon. Bon, bon, bon. Donc ça, je peux ranger. J'ai lu. Voilà, donc il y a une participation au concours. Elle a noté sur le paquet. Pour le reste, c'est hors concours. C'est vraiment parce qu'elle avait vraiment très envie de me faire plaisir. Et du coup, ça va vous faire un peu découvrir tout l'univers d'Anne. Voilà, voilà. Donc, je vais enlever celui-ci. Et ça, c'est pour le concours. C'est écrit participation au concours. Je ne sais pas si vous allez voir, je ne me vois pas du tout dans le retour caméra. Voilà. Bon, je sais pas trop par quelle boule prendre. On va y aller avec les doigts parce qu'elle a dit attention aux ciseaux et aux cutters. Tout est emballé pièce par pièce dans le colis. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Oh, c'est beau. Bon, là, vous ne voyez plus. Coucou. Là, vous ne voyez plus. Oh là là, que c'est beau. Encore des bulles. Ah. Je vais tirer le papier que je mets par terre. Oh, que c'est beau. Violet, c'est tout ce que j'aime. Ça, ça doit être la collection. Je l'ai travaillé cette collection sur un projet que j'avais fait hors caméra, je crois, de mémoire. Alors, je tire les deux petites ficelles parce que je suppose que c'est comme ça qu'on ouvre. Et je suppose que ça s'ouvre. Oh là là, que c'est beau! Mais qu'est-ce que tu as fait, Anne? Vraiment, t'as fait quoi là? Oh, c'est trop beau. C'est magnifique, je sais même pas par quelle boule prendre. Alors, on va y aller doucement sur les scratchs là-dessus. Hop, hop. Oh, c'est des papillotes. Alors, on va le deuxième. Oui, les gourmandises, alors là, ne pouvait pas me faire plus plaisir. Encore des papillotes.
Et toujours des papillotes. Oh là là, oh là là, oh là là, on va prendre 50 kilos. Oh là là, elle a rempli de papillotes. C'est blindé, 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 blindé de papillotes. Oh là là, Anne. Mais Anne, mais Anne, mais qu'est-ce que t'as fait, Anne? Oh là 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 là. C'est magnifique. Ça doit être Provence, le papier. Ça me revient. Il me semble. Tu me diras si c'est ça, Anne. Mais il me semble que c'est le papier Provence. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est splendide. Vraiment, je suis méga fan. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est trop beau, mais comment t'as dû galérer à faire ce truc? Oh, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est la participation d'Anne. Donc bien évidemment, hein, sa participation est validée, hein, parce que bon, j'avais donné le thème carte, mais quand on n'est pas carte, on fait un peu ce qu'on veut. C'est ce qu'elle a fait. Elle a respecté le thème, c'est violet. Et de toute façon, c'était sûr que la participation serait validée. Oh le nœud, mais la dentelle, elle est juste splendide. Oh, puis ça brille de mille feux, regardez, il y a des petites traces de partout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Parce que je suis vraiment le retour caméra est pas terrible. Voilà. Donc ça donne ça. Je vous le montre comme ça. Voilà. Parce que moi, en fait, je n'ai pas l'habitude de me filmer dans ce sens-là. Et du coup, mon retour caméra, il est à l'envers. Donc, je ne sais pas trop comment vous me voyez. Enfin bref, voilà. Donc là, elle a mis des strass ici. 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 Ici, on a une jolie dentelle. Un peu velours pailleté, c'est vraiment très très beau. Là, je vous laisse regarder la dentelle ici, elle est juste magnifique. Regardez, elle est vraiment très très belle. Et tout est décoré avec le papier Provence, il est juste incroyable. Et c'est rempli de papillotes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans tous les cas, alors je vais essayer de vous le rouvrir au cas où, parce que j'ai vraiment pas vu, j'étais vraiment concentrée sur l'ouverture en faisant attention au scratch, comme c'était stipulé dans la petite lettre. Et donc, c'est tout plein de petites trousses, on va dire, en triangle, en forme de triangle. Je le relève en faisant attention de ne pas tout casser. Voilà, c'est plein de petites trousses qui s'ouvrent et qui laissent découvrir plein de petites papillotes. Voilà, c'est blindé de papillotes. Hop, je vais le refermer. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais en tout cas, je pense que vous avez vu ma tête. Je ferme là et là et on va s'attaquer au hors concours. Je sais pas s'il y a un ordre ou quoi parce que c'était pas écrit dans la lettre. Une fois que tu auras ouvert le gros cadeau hors concours, je te donne les détails des créations. D'accord, donc ça c'est juste le détail. Et ça, il faudra que je le lise après. Donc voilà pour le premier. Alors, le gros cadeau, elle a dit. Donc là, on a un petit cadeau hors concours. On dirait une petite fille qui ouvre ses cadeaux de Noël, c'est impressionnant. Anne, je sais même pas comment plus, je sais même plus quoi dire pour te montrer ma gratitude et ma reconnaissance. C'est une grande folle, tu le sais, de toute façon, on t'a déjà dit, hein, je suis pas la première à le dire, et je suis certainement pas la dernière, je pense. Hop. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Vous savez que je fais du diamond painting, hein. Vous avez vu quelques vidéos sur ma chaîne et du coup Anne m'a mis des petites pochettes en simili-cuir réalisées avec du diamond painting. Alors attendez, c'est dans quel sens? Voilà, ici. Regardez comme c'est joli. Et je pense qu'elle a recouvert de résine pour protéger, pour pas que ça s'en aille. C'est vraiment très très beau. Je vais pouvoir ranger plein de petites choses à l'intérieur. C'est génial. Avec comment on dit ça? La petite chaîne, voilà, et le petit pompon pour refermer la poche, pour maintenir la pochette. Voilà. Et l'autre est vraiment très très jolie aussi. Petite préférence pour celle-ci quand même. Mais bon,
Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Joli petit papillon, magnifique. Hein, c'est pareil, tout recouvert de résine pour protéger, pour pas que les diamants s'en aillent. C'est très très beau. Merci beaucoup, Anne. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment très très contente. C'est superbe. Hop, pareil avec la petite chaîne et le petit pompon. Oh, je pense que... Ah non, c'est un mousqueton, j'ai rien dit, je croyais qu'elle était cassée. Elle est vraiment très jolie aussi, celle-ci. C'est, je pense que c'est ma préférée, d'ailleurs, les deux. Okay. Oh là là, je vous jure, Anne. Bon. L'autre prend une très très grosse partie du carton. Je ne sais même pas. Ah, j'ai peur. Il va falloir que je boive un coup parce que là j'ai la bouche sèche. Alors, cadeau qui n'a rien à voir avec le concours aussi. Désolé, ça va faire encore du bruit. Encore très bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. De la mousse protectrice. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je sais pas. Mais c'est magnifique. Alors. C'est incroyable. Alors, je vais essayer de baisser la caméra. Vous voyez. Regardez-moi ça. Vous ne voyez pas plus, je crois. Hop. Regardez-moi ça, cette beauté. Oh, c'est splendide. C'est... Oh là 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 là. Je vais essayer de reculer un petit peu le zoom. Et de baisser encore. Bon, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo là, mais dans tous les cas, au moins vous pouvez le voir. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais même pas par quelle boule prendre, c'est tellement superbe. Je vous montre la tranche, regardez. Elle a mis une petite fée, des breloques, des perles. C'est tout en thème en lien avec les fées. Oh là que c'est beau. La petite clé. Oh la fée, elle est splendide. Oh, la fée clochette, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Oh, elle est trop belle. Oh là, Anne, j'ai envie de pleurer, je te jure. C'est pas une journée avec pour moi aujourd'hui. Ça fait un mois qu'on est en panne avec la voiture familiale. Et là, ce matin, mon mari a voulu partir avec la petite voiture qui nous sert... Voilà, deuxième voiture. On est en panne aussi avec le pot d'échappement est tombé ce matin. Donc, autant vous dire que le moral est dans les chaussettes au réveil. Et ça réchauffe le cœur. Vraiment, c'est magnifique. Oh là là. Elle a même marqué mon prénom sur la petite fée juste ici. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais c'est trop beau. Mais... Oh là là. Mais ce papier est juste incroyable. Hallucinant, vraiment. Alors, je vais l'ouvrir. Donc, il y a un petit nœud. C'est maintenu par un petit nœud. Vous allez le voir juste ici. Hop, je vais la faire tout en haut. Oh, c'est magnifique. J'ose pas, je vous jure, j'ose pas. C'est vraiment, ben, waouh. Le travail, mais le travail incroyable. Mais tu m'étonnes que t'as mal partout, Anne. Mais comment, mais pourquoi, mais... Oh, t'es folle, t'es vraiment folle. Donc là, vous avez une petite fée.
ici, sur un joli arabesque avec un petit oiseau ici. C'est en bois. Ou en bois papier, enfin je sais pas trop. Ouais, ça a l'air d'être du bois, mais c'est magnifique. Avec une grande carte et une petite. Ici, un emplacement qui se retire. Avec plein de petites cartes et de petites tags. C'est trop beau, la collection est juste magnifique. Je crois que j'ai vu sur la couverture la collection que c'était. Il va falloir que j'aille voir ça. Mais elle est splendide. C'est plein de petites cartes nature. C'est beau comme tout. Regardez-moi ça, le petit renard, comme il est beau. La lanterne avec les petits fruits. Oh là là, mais c'est splendide. Vraiment, je suis mais estomaquée, vraiment. C'est beau comme tout, mais c'est vraiment, mais waouh, je sais même plus quoi dire, tellement c'est beau. C'est ouf, vraiment, j'en perds mon latin, je suis, hop, on remet dans son petit emplacement. On tourne la page. La petite grenouille, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre dans le bon sens. Hop, regardez-moi cette petite grenouille. Elle est trop choupie. J'adore. Hop. Alors, je remets la petite fée ici pour ne pas l'abîmer. Oh, j'adore le mécanisme, il est trop bien. Oh, je suis fan. Oh là 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 là. J'ose même plus. Donc là, on a les emplacements qui s'ouvrent à droite, à gauche et en bas, qui nous laissent apparaître encore des petits tags, des petites cartes de la collection. Le renard, la petite bibiche. Et le petit oiseau, le petit rouge-gorge, splendide, vraiment très très beau. C'est une vraiment mais très jolie collection. Donc c'est aimanté, ça se ferme tout seul. J'adore. J'adore. On tourne la page. Le papier là, le vélum, là, le rhodoïde en nid d'abeille, il est splendide. J'adore. J'ai pas arrêté de dire j'adore, mais c'est tellement joli. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Oh, c'est magnifique. Tu as vraiment travaillé la collection, mais divinement bien. J'ose même pas. Franchement, j'ose pas. Donc là, c'est plein de petites cartes, encore une fois, de la collection. Le petit écureuil. J'adore le petit écureuil. Regardez-moi ça, comme il est tout choupi. Hop. Encore des cartes et des cartes. Il va être mais il y a une petite fée et un petit cerf en bois là. C'est vraiment mais magnifique. Oh, il y a un petit chat. C'est trop beau. J'adore. Mais c'est splendide. Vraiment Anne, tu déchires. Tu déchires. Des petites cartes encore dans une pochette avec une petite maison en bois. Ici, un joli papillon avec la belle image de biche. Le petit oiseau ici que je kiffe, je l'adore. La petite abeille et le petit lapin sur le même thème. Donc là, une petite enveloppe. Oh, ça laisse apparaître un petit sac. Oh, mais j'adore. Mais Anne. Mais celui-là, je l'aime d'amour. Vraiment. Je l'aime vraiment d'amour. Il est trop, trop beau. Oh là 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 là. Mais Anne, t'es folle. Je te jure, t'es folle. Une petite libellule. On défait le nœud. J'y vais tout délicatement. Mais franchement, tu as fait un travail de titan. Vraiment. Waouh. Donc là, c'est des petites cartes qui se sortent comme ça. Il y en a quatre. Oh, mais t'es une grande malade, je te jure, Anne. Avec la jolie libellule ici. C'est trop beau. Vraiment, t'as fait un boulot, mais incroyable.
J'ai plus de mots. Donc là, on a une petite cascade. Trop belle, j'adore. J'adore. Alors moi, les cascades, c'est mon truc. C'est vraiment... Ça s'ouvre aussi, là. J'ai peur. Alors, je suppose qu'il faut ouvrir ça. Oh là là, que c'est beau. Une petite carte ici. Des feuilles, des feuillages là. Oh là là, mais la collection est magnifique. Elle est féerique. Elle est... Oh, tout ce que j'aime, vraiment. Hop, on referme comme ça. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. Oh. Le petit nounours, il est trop chou aussi, regardez. J'adore. Est-ce que ça s'ouvre? J'ai peur. Oui, c'est juste qu'il y a des aimants pour s'accrocher ici. Voilà. Donc là, ça nous laisse un grand espace pour les photos. Ici, on a une carte qui vient comme ça. Le petit... Oh, j'adore. Ok, on a deux cartes. On a un marque-page magnifique, un grand tag. Hop. Hop. Je vais vous montrer les petites choses. Regardez comme c'est chou. On a les petits animaux et le petit lutin trop chou. C'est vraiment trop mignon, c'est trop beau. Vraiment, je suis bluffée. Je savais hein, que tu faisais des choses magnifiques. Hein. J'ai vu hein, sur les chaînes de... Oh là là, la fée, elle est... Waouh. J'en prends plein les yeux. Je sais même plus par quel bout prendre. Le champignon est magnifique avec la petite licorne. Une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Une petite carte qui s'ouvre comme cela. Ça se referme avec un petit nœud accroché sur un petit champignon. C'est... Alors là, la fée, je... Oh, je vais la retourner pour que vous la voyez de plus près. Regardez ça comme elle est belle. Elle brille de mille feux, elle est vraiment splendide. Donc voilà, vous voyez le petit champignon avec la licorne. Ah, la petite grenouille et le petit oiseau ici. Alors la grenouille, hein, je la kiffe vraiment d'amour. Puis c'est une broche, mais elle est mais, oh, incroyable. Donc là, on a une petite cascade. Oh là là, c'est beau. Et puis alors, le papier, mais... Je ne connaissais pas cette collection, mais là, elle mérite vraiment d'être connue. Et... Alors, je regarde, il me semble que tu as mis le nom. Elle est vraiment très belle. Hop, la petite fée, tu te retournes. Voilà. On va passer à l'autre page. Là, on a une petite carte shaker avec plein de petites choses à l'intérieur. Des petites fleurs, des petits coquillages, des pétales. C'est vraiment très beau. Des cœurs, des lunes, des carrés, des strass. Oh, c'est magnifique. Avec des petits tags positionnés à l'arrière. La fée, elle est... Waouh. Là, on a ça. C'est pas pratique de filmer quand on est à l'envers. Hop. Ah, bah la fée, elle s'est défaite. Mince. Je la remettrai tout à l'heure. Et là, on a une jolie boîte. Toujours avec une fée dessus. Ça s'ouvre comment? J'ai peur. Alors. Oh, c'est un petit carnet qui a été glissé dedans. Regardez comme il est beau. Oh. T'es une grande folle, je te jure, Anne, t'es une grande folle. C'est. Tout est splendide. Je suis méga fan. T'as vraiment grave assuré. Je suis trop contente. J'ai pas les mots, vraiment, tu m'as touché au plus haut point. Ce jeu,
Tu sais aussi ce que je pense de toi. Hein. Tu sais que je suis fan de ce que tu fais. Je suis vraiment comme une dingue de voir tout le boulot que tu as fait rien que pour moi. Et je suis reconnaissante à un point que tu n'imagines même pas. C'est vraiment... C'est splendide. Alors la petite fée, je vais la remettre. C'est la petite boucle qui s'est ouverte. Je vais reprendre une petite pince. Pour la resserrer un peu. Comme ça, elle se s'ouvre plus. Je crois qu'elles sont là, mes pinces. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Elle est tellement fine qu'elle s'est faufilée avec la vilaine, la coquine, dans l'anneau, dans l'ouverture de l'anneau. Et elle s'est fait la malle, la vilaine. Je vais la coincer. Hop, on va voir c'est qui le chef. C'est moi. Je répare ça. Allez, rentre. Voilà. Et voilà. Je resserre. Voilà, elle se s'ouvre plus. Je vais refermer là. Je sais pas si vous l'avez vu de près, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc on a un joli cristal holographique, voilà, enfin cristal, avec des perles arc-en-ciel. Ça me fait penser un peu à un truc de chakra ou je ne sais quoi. La jolie fée, voilà, ça celle-là, splendide. Donc là on a des petits rubans. On a une chaîne. Oh, bah la fée, elle est vilaine avec moi aujourd'hui. Voilà, on a des jolies perles avec une clé de sol. On a une feuille. On a des petites couronnes ici qui entourent la perle du bas. Encore une feuille. Une trompette. Une petite étoile. Une deuxième petite étoile. Et là, on a une grande clé avec ma petite fée clochette. Hop, ça s'est un peu emmêlé dans la trompette. Voilà. Mais Anne. C'est juste incroyable. J'ai plus les mots. Je suis sans voix, je suis abasourdie. Il est incroyable. Vraiment. Vraiment. Tu sais que je suis franche. Quand je n'aime pas, ça se voit. Là, je suis vraiment scotchée. Je ne sais pas combien de temps. Ça fait déjà 30 minutes que je blablate. Mais ça fait 30 minutes que j'en prends plein les yeux, je suis émerveillée, je suis ravie, je suis conquise, je suis... Mille merci. Il y a vraiment... J'ai même pas de mots assez forts pour te dire à quel point je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. C'est un concours de circonstances, hein, si j'avais pas... voilà, le scrap nous a rapprochés et vraiment, tu fais partie des gens qui méritent vraiment d'être connus. T'as un cœur, mais gros comme ça, t'es incroyable. Waouh, je suis vraiment touchée, mais t'imagines même pas à quel point. Je pense que mes yeux pleins de larmes le prouvent. Je suis touchée, vraiment, énormément. C'est magnifique, tu as vraiment tout déchiré. Il est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'il est vraiment, il est magnifique. Magnifique. Donc là, voilà, c'est ça, je crois. C'est la Woodland. Le nom de la collection. Je suppose que c'est ça. Je vais du coup pouvoir lire la fin de ton petit mot. En direct live. Alors. Ouais, c'est ça, Woodland de Minté.
Voilà, j'avais raison. Pour les motifs, pour les diamond painting, elle a mis de la résine dessus pour que ça ne sauve pas. Et c'est bien la collection Provence pour la trousse remplie de petites papillotes qui vont me faire prendre 30 kilos. Mais c'est pas grave, je vais les assumer. Ça vient d'Anne et mes gamins vont adorer aussi. Mais t'es une folle. Pourquoi ça me plairait pas? Mais t'as vu? Mais non, mais non. Ouais, mon ange gardien ou mon rayon de soleil, ça c'est sûr que t'es un ange gardien, un rayon de soleil. T'es les deux en même temps, t'es tout. T'es vraiment tout ça en même temps, t'es incroyable. Vraiment, merci. Vraiment, mille merci. Je vous remercie vraiment toutes du fond du cœur. Tout ce que vous m'avez envoyé, ça a été vraiment un petit rayon de soleil dans ma petite vie toute tristoune de ce moment. Je suis touchée, voilà, je suis touchée. Toutes vos cartes sont splendides, elles sont magnifiques, elles ont été faites avec cœur et je sens dans vos créations que ça a été vraiment fait avec amour et c'est tout ce que je souhaitais en fait, c'est tout ce qui m'importe, que vous ayez pris du plaisir à le faire pour moi, voilà, pour vous, pour tout le monde, c'est génial, je sais même plus quoi dire, voilà, j'en perds mon latin. C'est vraiment magnifique, vous avez vraiment tout assuré et Anne, voilà, tu sais ce que je pense, tu sais que je t'adore et je suis fan, voilà, de tout, c'est vraiment, tout est magnifique, je vais en prendre le plus grand soin, mais t'imagines même pas, c'est trop trop beau, vraiment, je suis fan, c'est magnifique. Mille merci à toutes. Je vais rester là-dessus parce que je vais me mettre à pleurer. Mille merci à toutes. C'est vraiment magnifique. Vous avez grave assuré. N'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas encore participé, à m'envoyer vos petites cartes, vos petits projets avant le 21 février, date à laquelle ce sera terminé. Alors, je ne sais même pas quel jour ça tombe, le 21 février. Dans tous les cas, il vous reste un mois. N'hésitez pas. Je prends vos participations avec grand plaisir. Et mille merci pour toutes celles qui ont joué le jeu, c'est vraiment adorable, j'ai adoré, c'est magnifique, je suis fan vraiment de tout. Mille merci, voilà, j'ai pas d'autres mots, mille merci, même 2000 merci pour vos participations, je suis conquise. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, moi je vais aller continuer pour tourner mon tuto pour la gazette, l'Orange Gazette Familéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.